On peut dire que la percussion a toujours existé, puisqu'il s'agit d'entrechoquer, frotter, gratter, faire rebondir ou percuter une surface pour la faire sonner. Ensuite, il suffit de répertorier tous ces sons en famille d'instruments et on retiendra principalement les peaux, les bois, les métaux, les claviers ou les percussions corporelles. Alors on peut commencer les percussions vers 7-8 ans, c'est l'idéal en fait au niveau motricité pour l'indépendance déjà, quand on veut commencer la batterie, il faut avoir des jambes suffisamment longues, même si on peut adapter les instruments, voilà, il faut une certaine maturité déjà. 6 ans, ça me semble un petit peu tôt, hein. Après tout dépend de la motivation des élèves, voilà, mais on peut commencer très tôt. Ouais. Alors, la percussion peut paraître un peu physique, effectivement, il faut bouger, il faut jouer, il faut bouger, donc pas d'aptitude physique vraiment particulière, mais être en forme.